Depuis l'ouverture du salon, Airbus annonce de nombreuses commandes. Est-ce que vous êtes distancé dans la bataille? Vous savez, les problèmes pour nous ne se posent pas comme ça. D'abord, nous n'avons pas la même stratégie qu'Airbus. Nous n'avons jamais concentré sur les salons des commandes. Il n'empêche que nous aurons naturellement nombreuses commandes dans ce salon et nous ferons le bilan à la fin du salon. Et par ailleurs, vous savez, puisque c'est le match qui souvent intéresse les journalistes, mais il y a d'autres problèmes parallèles qui se présentent. Le match se joue le 31 décembre. Il se joue sur deux paramètres. D'une part, le nombre de commandes et d'autre part, le nombre de livraisons. Et donc, nous verrons bien au 31 décembre quelle sera la situation. L'année dernière, nous étions leaders en matière de commandes et de livraisons. Cette année, nous verrons. Au 31 décembre, selon vous, qui va gagner le match? C'est difficile à dire. Je pense que nous serons de toute façon devant en termes de livraison. Nous avons un objectif de livraison de 635 à 645, la fourchette sur le cours de l'année, dont au moins 60 Dreamliner 787.